Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll come running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be over. On a eu un matin mouvementé. On était approché de faire des entrevues pour une radio locale 107,7 et Radio-Canada 101,1 matin. Fait que un matin, j'ai écouté l'entrevue que Mary elle a faite. Elle a fait ça comme une championne. Après ça, pour partir de la journée tranquille, j'ai décidé de faire du bricolage aujourd'hui. L'ancien propriétaire, il a installé des speakers en avant, des 6x9. On les a enlevés parce qu'on s'en sert pas. Puis ces speakers-là, les trous qui ont été faits, je vais le montrer ici. Ces trous-là apportent aux garde-robes qui sont dans le V-berth en avant. Fait que c'est valeur d'avoir fait des trous dans une si belle boiserie. Mais on a trouvé une façon de les boucher pour que ça fasse quand même esthétique. Et en même temps, avoir une utilité. Parce que vu que ça, c'est les garde-robes, souvent il manque de la ventilation. J'ai trouvé des grilles de speaker en métal, blanc. Peut-être qu'on va y peinturer noir, dépend, on va voir. Mais je suis en train de coller des aimants en arrière. Fait qu'on a acheté des aimants autocollants. Puis là, le problème, c'est que les aimants sont pas assez épais pour dépasser leur bord ici. Fait que je mets un two-way tape, un tape qui colle des deux côtés pour pouvoir l'adhérer comme faut au mur. Souvent, dans ces garde-robes-là, on a nos vestes de flottaison. Quand on les serre à sec. Mais peut-être toujours une petite humidité qui reste, puis avec ça, ben, ça va aider à faire une circulation d'air dans le garde-robe en même temps. Fait que ça va pouvoir servir à d'autres choses que boucher un trou esthétiquement. Voici mon projet de 15 minutes, qui en réalité a pris 2 heures. Mais c'est pas grave, c'était complété, c'est beau. Ça fait longtemps que ça me tannait de voir ces trous-là. Là, ça fait super clean. À cette heure, on va aller faire la vraie ouvrage, on va aller dehors, on va aller chercher notre tank d'eau usée noire pour pouvoir commencer à l'installer parce que je dois commander les boyaux. Fait que pour ça, je dois mesurer la longueur de mes boyaux. Ah, ça c'est tout le linge à Marie. Bon, je vous amène dans ma chambre de bain, tous les produits nettoyants, puis les cils, les nettoyeurs de tic étaient tous rendus dans la chambre de bain. C'est toutes les affaires qui vont dans le lazarette en haut, fait que j'ai tout pris ça, puis j'ai mis ça en haut, fait de l'espace, puis ça n'a plus passé. Je vais vous montrer ce que la tank a va. Là, je viens de réaliser aussi qu'avant que la tank rentre, ben, j'ai d'autres choses à changer aussi avant ça. Bon, voici l'endroit où la tank a va. La tank rentre ici. La chose qu'il faut changer, là, c'est le pump out. Ici, le passe-coque ou le deck plate pour la pompe-out. Beneteau l'ont fait en aluminium. C'est merveilleux. Vous pensez que ça fait quoi d'aluminium? Ben, ça a tout fait de 20 degrés, ça a gonflé, fait que là, la hausse elle fit plus bien dessus. Les nouveaux sont en stainless, fait que j'en ai un nouveau en stainless, fait que ça va falloir remplacer ça avant de rentrer la tank là. J'ai aussi ça ici, c'est pour aérer la tank d'eau noire. C'est très important qu'il y ait une bonne circulation d'air dans la tank. Ça, j'en ai un autre aussi, je l'ai un petit peu plus gros, celui-là, que je vais le changer. Ça, ben, c'est juste, si tu demandes une question, c'est le drain de cockpit en haut, jusque le tuyau passe par ici. Je dois rentrer la tank à cet endroit-là. Je vais faire un test primaire, voir comment ça va fitter. Ça passe, c'est serré qu'on dirait que ça passe pas. Un peu plus large que l'autre. Ça va bien. On va compresser ça un peu pour que ça passe. Ouais, je pense que la nouvelle tank elle rentre pas. L'autre a sorti juste en enlevant la porte, mais elle, je pense qu'il va falloir défaire un petit peu plus loin pour la rentrer là. Là comme celle-là, je voulais la rentrer là juste pour voir comment qu'elle fait dans son endroit là. Mais j'ai l'impression que si je la force trop, que je la rentre là, je serais plus capable de la sortir. Fait que je vais peut-être enlever les petites moulures de bois là, alentour, si je suis chanceux, ne sont pas collés, pour pouvoir rentrer la tank. Jamais si facile qu'on pense. C'est sûr, ils ont collé le coin, mais en loussant ici le bas, je suis capable de le tasser un peu, ça va peut-être me donner le jeu que j'ai besoin pour rentrer la tank. Deuxième essai. Gros, non, non, pas gros. Qui décident finalement de mettre leur projet comme ça en réalité, partir au large d'ici les prochaines semaines, voire quelques mois, à bord de leur voilier. Bonjour Marc-Claude Saint-Onge. Salut! C'est un projet qui date quand même d'un certain temps. Ça date de 2018. On a acheté Lusca, le voilier, en juillet 2018. OK. Et vous avez été retardé un peu en raison de la pandémie? Oui, effectivement. Nous, dans le fond, on a vendu notre maison en novembre 2018 dans le but de partir à l'automne 2020. Donc, on a vécu en appartement à Magog en attendant. Avec la pandémie, on a dû être patient. Puis, quand est arrivé le 1er juillet 2020, notre temps est terminé. On devait partir sur le voilier. Et puis, ben, on attendait mois après mois en espérant que les douanes américaines allaient réouvrir pour qu'on puisse aller préparer notre voilier. Et là, votre conjoint, votre voilier présentement, il est à Plattsburgh au lac Champlain. Exactement. Il est à Rouses Point précisément à la marina de Lighthouse Marina et David est présentement sur le voilier en train de commencer les préparations. Et comme la Rouses Point, c'est vraiment la frontière. C'est bien juste pour dire qu'il peut y aller. Exactement, exactement. C'est à quelques minutes à pied. Du moment où vous en avez discuté la première fois, vous deux, jusqu'au moment où vous vendez la maison, ça vous a demandé combien de temps, combien de discussions et combien de remises en question? À vrai dire, ça n'a vraiment pas été long. On est en remise en question quelques mois avant l'achat du voilier, en fait. Là. On avait discuté qu'on voulait un mode de vie alternatif, que pour nous, là, métro, boulot, dodo, ça convenait plus. Tout ensemble, puis on s'est mis à regarder des vidéos YouTube. C'est là qu'on est tombé sur des vidéos de gens qui vivaient sur leur voilier. Et honnêtement, on ne savait même pas que c'était possible. On n'avait jamais navigué notre vie, on n'avait jamais visité un voilier, on connaissait absolument rien. Puis on s'est dit, on se lance à l'eau, on regarde ce qu'il y a à vendre. Puis on a regardé le même voilier pendant longtemps, qui est Lusca d'ailleurs, qui nous tentait, tout ça. Puis à un moment donné, on a fait le mot, on a dit, OK, on part, on achète le voilier. Puis une fois qu'on a acheté le voilier en juillet, la maison se vendait en novembre également, là, dans la même année. Fait que ça a été vraiment une question de mois pour nous. Vous n'avez pas de plan de retour, est-ce que je comprends? Non. Non, on n'a pas de plan de retour. Quand on va revenir, on fera un plan à ce moment-là, mais pour l'instant, on n'en a pas, non, effectivement. Ceux qui veulent vous suivre, c'est Lusca sur Facebook, LUSCA, Sailing with Lusca, et sur YouTube également. Marc-Claude Saint-Onge, quand vous allez partir, on se reparle absolument. Je veux qu'on fasse un petit suivi avec vous. On devrait partir en septembre 2021. Là. On part en septembre qui s'en vient. Là, on va être prêt à décembre parce qu'on attend la saison des ouragans, bien entendu. Donc, le départ est prévu en septembre. Merci, Mme Saint-Onge. Hey, ça fait plaisir, merci à vous. Bon périple. Marie-Claude Saint-Onge et David Ball, son conjoint, partiront sur Lusca, Sailing with Lusca. Vous pouvez les suivre sur les médias sociaux. C'est tout pour nous. On se retrouve demain dès 15 h pour Vivement le retour. Bonne soirée. Là, ce que j'espère là-dedans, là, c'est d'influencer les autres de le faire. C'est ça notre but primaire. C'est que si nous, on est capable de le faire, vous êtes aussi capable de le faire. La météo a changé. Il s'est mis à avoir un orage, un déluge. J'ai juste eu le temps d'aller prendre mon duct tape, d'aller boucher mon trou sur le pont. J'espère que le duct tape il va être nu un peu, il s'était quand même mouillé. En dessous, j'ai mis une canisse sur la tank pour récupérer l'eau qui peut y avoir tombé. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir toute la nuit comme ça, parce que s'il peut s'accalmer un peu, je vais pouvoir aller assécher ça puis le taper avec peut-être un meilleur tape pour taper la nuit, parce qu'il annonce aussi de la pluie toute la journée de la main. Même petit chevreuil, il aime le sel. Fait que là-dessus, je vous dis bonne nuit. Il fait soleil, il mouille quand même. Fait que je pense que je finirai rien aujourd'hui. Fait que moi, je m'en vais souper. Fait que à demain.